Behold the endless abyss. Within it lies the heart of all worlds. Kingdom hearts. Look as hard as you are able. You'll not find even the smallest glimmer of light. From those dark depths are all hearts born. Even yours. Darkness conquers all worlds! Giving up already? Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Et il est temps d'affronter le boss final en personne, qui, par contre, admettons-le, fait très Final Fantasy. Le gardien a eu un petit redesign, et apparemment, Anselm est désormais très attaché à lui. Oh, je dois admettre que je n'aime pas beaucoup ce boss de fin. Globalement parce que vous êtes en train de l'éviter. Et on peut voir quelques-unes de ses attaques, parce que je suis en train de rester à distance, à rien faire de spécial. Vous êtes en train d'éviter, donc vous n'avez pas de parade, vous n'avez pas de roulade, vous êtes littéralement à nouveau comme pour Ursula et Chernabog. Tapez, soignez et continuez. Même si j'admets, bon, il y a quand même quelques attaques intéressantes. Mais bref, votre première phase, déjà vous avez de nouveaux sans-cœurs que vous ne verrez que contre lui. C'est une espèce de chauve-souris, c'est assez facile de ne pas les voir d'ailleurs. Bah je savais même pas qu'elles existaient en fait avant de m'enseigner un peu dessus, donc ouais. La première phase, vous voulez affronter bien entendu Anselm qui est en train de donner des coups dans le vide à volonté avec son espèce de... Ben, l'arme de Riku en fait, en mode lance. Car tout le monde sait que des épées doubles, c'est d'une efficacité totale. Pour ceux qui se demandent, la réponse est non. Les épées doubles sont absolument impraticables et essayer de se servir d'un truc pareil va juste vous tuer vous-même. Sauf si c'est vraiment une sorte de lance double. Donc malheureusement, comme je l'ai dit... Pour moi, la stratégie générale contre lui est mettez-vous encore et tapez, soignez, tapez. Rafale, soin, coup de keyblade dans la face. Il n'y a malheureusement pas une réelle stratégie, pas d'esquive que vous puissiez faire. Je veux dire, je pourrais m'écarter effectivement pour attendre qu'il ait fini de taper. Mais il tape toutes les 10 secondes. Est-ce qu'il a appelé son gardien? J'ai jamais l'impression que le gardien fait quoi que ce soit dans ce combat. Enfin, je dis ça, mais c'est pas comme si j'en avais un énorme souvenir. Bon, là, à la limite, il invoque quelque chose. J'ai l'impression, je vais peut-être m'écarter. Ah, si le gardien a bougé. Ah, c'est lui qui invoque ses machins. Ok, génial. Voilà, donc vous pouvez éviter les attaques simplement en vous déplaçant dans une direction bien définie. Et ça fera un spécial. J'essaye même pas de les éviter. J'allais dans un seul sens. Hein. Et il continue d'attaquer alors qu'il n'y a personne. Faudrait quand même que je réussisse à me rapprocher de lui, mais ces espèces d'armes me donnent l'impression que c'est complètement aléatoire. Oh non, j'ai été touché. Allez, défense. Et on va taper dessus et ignorer les orbes qui de toute façon servent à rien. Voilà. Bien entendu, cependant, ce n'est pas là que ça s'arrête, sinon ça sera un peu naze de nous faire tout ce tralala juste pour ça. Il va faire disparaître son arme, invoquer un panneau sans interdit sur lui. Si, je vous jure, c'est littéralement ça. Et en d'autres termes, vous ne pouvez plus l'attaquer parce que bah, il y a un gros panneau devant lui. Je sais que c'est peut-être le symbole des 100 cœurs, mais c'est stupide. Donc à la place, on va aller sauver nos potes et attaquer son vaisseau. Je crois que ça s'appelle le monde du chaos, soit dit en passant. Donc si nous affrontons, bien entendu, nos pires ennemis, les adversaires les plus coriaces qu'on ait jamais eu à tabasser, les ombres. Bon d'accord, ça va varier. Une fois que vous les aurez tués, vous aurez cette espèce d'orbe. Et détruire celui-ci va nous permettre de tout casser, a priori.
On sait pas vraiment ce que c'est en fait cette orbe, ni quoi que ce soit. On peut imaginer que c'est l'un des points vitaux du monde du chaos. Mais bon. Donc alors on fait ça, va apparemment protéger encore plus en SEM. Gros point d'interrogation sur le coup. Et nous avons ces machins que nous pouvons et potentiellement que nous voulons détruire. On est littéralement en train d'affronter l'équivalent d'un destroyer stellaire, les mecs. Voilà. Ah non, il en reste un. Et j'ai gagné un niveau et après coup critique. C'est stupide là sur le coup. Ah bah sort. Oh bah j'attendais, je vais mettre. Ah bah non, je peux pas. Ah, donc nous avons une faille interdimensionnelle des ténèbres qui vient d'apparaître. Donc on va foncer dedans. Ça s'appelle ténèbres. Et là-dedans, nous avons des balles d'ombre. Qui sont plus flippantes que d'habitude parce que tout est sombre en crevé. Ah, toujours agaçant bien entendu à cause de leur aspect. À cause de leur aspect, j'ai un coup qui me rend invulnérable et comme il y en a 50, c'est compliqué. Et nous avons bien entendu récupéré, comme vous avez pu le constater dès le début, on va utiliser parade pour essayer de les bloquer un petit peu. Nous avons récupéré Dingo. La tâche des rêves est petite, c'est tout d'un coup qui est défensif. Ouais, j'imagine. Voilà. On détruit à nouveau le cœur du vaisseau. Non, je vais attendre pour un éther. Je suis même pas sûr que j'ai besoin d'un éther. Vous pouvez invoquer Clochette, mais ça sert à rien. Le boss est pas à ce point dangereux. Et maintenant, on a l'avant du vaisseau qui semble pas content. Donc, vous voulez lui faire la tête au carré. Voilà, donc c'est. Il utilise des attaques qui sont, semblent très similaires à celles d'Ursula, etc. Avec la foudre dans tous les sens et ainsi de suite. Il y a des canons qui nous tirent dessus par en dessous. Je suppose qu'on peut essayer de les détruire. Je sais pas si ça a réellement un intérêt, parce qu'il me semble que certains d'entre eux tendent à réapparaître à terme. Et il y a Dingo qui est presque mort, ce qui a entre aucune et aucune importance. Là, ils viennent juste d'apparaître ceux-là, donc je sais pas si c'est parce que j'étais pas encore allé près d'eux ou s'il avait juste envie. Non, ils sont pas réapparaître, donc je vois ce qu'on peut. Donc on va juste le laisser balancer une de ses attaques. Balancer une autre de ses attaques. Oui, en fait, il va faire ça en boucle. Donc, comme pour Ursula, à quoi ça sert d'essayer d'éviter ses attaques? C'est pas comme s'il faisait à ce point mal aussi, donc je préfère encore, tout comme Ansem auparavant, rester au corps à corps, mettre Rafale et taper, 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 taper. Il file pas beaucoup de MP par contre, dis donc. Voilà. Après ça, il va nous montrer qu'il a mauvaise haleine, donc on va aller lui offrir quelques mentos. Je vais peut-être casser ces trucs-là par principe, après tout, si ça se trouve. Ça fera des casse-pieds en moins. Les objets, bien entendu, sont surtout là pour vous puissiez avoir des trucs à utiliser pendant le boss, si vous êtes à court. Et nous récupérons le dernier membre du trio du chaos au milieu d'un beau paquet d'invincibles. Là. Oh, un élixir, trop bien. Un élixir qui me sert absolument à rien, étant donné que ben, je pourrais pas le conserver, que j'ai aucune raison de vouloir m'en servir. De toute façon, je peux même pas m'en servir, même si je le voulais, il est dans mon inventaire. Il est pas dans les objets que je peux utiliser. Bref, au moins nous avons récupéré les deux andouilles. Le sceptre de Donald est d'ailleurs vachement gros, ce qui fait un peu ridicule. Et apparemment,
on lui a donné une sacrée migraine. Vache, on peut dire qu'on lui a cassé la figure. Avoir détruit la proue du monde du chaos va nous permettre d'accéder à l'intérieur. Ses intestins, point d'interrogation. Il n'y a pas assez de symbolisme dans ce truc, je veux dire. Ou alors c'est qu'il y en a beaucoup que je vois pas, mais... Par exemple, chaque partie pourrait être liée à un élément des ténèbres, ou je sais pas, du côté obscur, vous savez, la peur, la colère, la haine, le mépris, le désespoir. Ce genre de truc. Mais ben, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Là on a l'impression que c'est peut-être la peur ou le cauchemar ou je sais pas quoi. Parce que ça fait très très... Ça fait penser à Halloween, personnellement, plus qu'autre chose. Mais bon. Bref, tout ce que vous voulez faire en vérité, c'est casser ça. Mais je détruis les petites tourelles aussi, parce que je trouve ça drôle. Il donne par contre extrêmement peu de MP. Je suis assez surpris, considérant que... ça rend pas les choses faciles. Mais le boss final est pas vraiment difficile jusque là, n'est-ce pas? Je trouvais en scène seul... plus compliqué, donc bon. Alors, vous savez quoi, on va s'enfuir. Et maintenant qu'on a cassé plus ou moins tout son vaisseau, le panneau sens interdit disparaît. Ansem revient. Il va réinvoquer son arme. Voilà. Et on va pouvoir refaire exactement la même chose qu'au début. Ils avaient beaucoup d'idées, hein. Donc, rafale, mettez-vous au cac et tapez, 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 tapez. Vous avez les deux clowns avec. Rafale vous permet de minimiser les dégâts que vous prenez et il n'y a pas grand-chose d'autre derrière. Alors, apparemment, il est en train de nous lancer une grosse attaque, mais je sais pas ce que c'était. Ah, d'accord. Ça devrait être une sorte d'attaque météore. Météore des ténèbres. Je peux passer derrière lui, apparemment pas, non. Mais comme vous le constatez aussi, il en est déjà à quasiment la dernière barre de vie. Ok, je vais peut-être m'écarter un tout petit peu. Ah, le gardien fait quelque chose. Ah, il me bouffe mes MP, le vil. Bref, meurt. J'ai gagné un autre niveau, mais à nouveau, je crois que ça sert à rien. Keyblade alone cannot seal the door to darkness. Kingdom Hearts, fill me with the power of darkness. Supreme darkness. You're wrong. I know now, without a doubt. Kingdom Hearts is light! Stop staring at Big Gushin! Huh? The heartless!
Don't give up. Come on, Sora. Together we could do it. Okay. You said before, I'm always with you too. I'll come back to you. I promise. I know you will.
Ouais, bien sûr que non, c'est pas fini. Il y a toujours des crédits. Toujours. Ou presque. Donc ceci marque la fin de du scénario principal, je dois dire, de Kingdom Hearts Final Mix. Il y aura encore deux vidéos derrière pour s'occuper des deux boss bonus que j'ai laissés de côté, parce qu'ils étaient un peu au-dessus des autres, souvent d'une plutôt quelques bonnes coudées, grosses coudées. Mais autrement, c'est la fin de l'histoire. C'était le premier de la série, c'était donc celui qui était entre guillemets le plus bizarre, avec des personnages un petit peu plus cartoonesques, un univers encore un petit peu maladroit. Et personnellement j'aimais ça, parce que ça montrait aussi que cette union entre Final Fantasy, Disney et cet univers de Kingdom Hearts avait du mal à se mettre en un seul morceau. Les gens avaient essayé de justifier comment ça se faisait, on avait des références à un monde de Final Fantasy qui a explosé, puis les autres se trouvent à travers, ce qui est un monde d'union de tous les mondes, enfin de là où tout le monde atterrit quand leur monde explose. Pas mal d'explications qui en général sont un peu abandonnées ou oubliées dans les prochains jeux. De même que en fait la majorité des trucs Final Fantasy, sincèrement, enfin c'est probablement le jeu où vous aurez le plus de personnages Final Fantasy importants que vous verrez. Mais passons. Donc, je pense que c'est pour autant le meilleur de la série, ou du moins l'un des meilleurs, et avant que vous m'accusiez de faire de le privilégier parce que c'était le premier, j'ai commencé avec Kingdom Hearts 2, et j'ai joué à celui-ci beaucoup plus tard. Mais le problème, c'est que je trouve que cette ambiance un peu maladroite, ce protagoniste un peu cartoon, qui sait pas ce qu'il fait, qui met les pieds dans le plat constamment, est très attachant, même si je suis pas non plus un grand fan de Sora. Et même si au final le jeu a énormément des relents de fanfiction où c'est littéralement vous prenez votre personnage, vous le casez dans un scénario existant et c'est lui le héros et pas l'ancien personnage principal, ça reste quand même un bon jeu. Il y a de la bonne musique, il y a de la bonne action, en particulier dans Final Mix où ils ont ajouté pas mal de compétences pour que les systèmes de combat soient plus dynamiques. Mais par contre je suis absolument pas fan du tout des 100 cœurs qu'ils ont ajoutés. Certains d'entre eux sont juste une catastrophe à gérer, vous avez aucune idée de comment vous êtes supposé trouver, genre le soldat furtif, je sais même pas comment vous êtes supposé découvrir son existence sans utiliser Google, ou chercher pendant 10 ans. Mais je suppose que c'est secondaire. Fatalement, je considère que c'est une série très forte, mais qui malheureusement tend à partir trop dans le côté pompe à fric, à refaire les jeux 50 fois, faire durer pendant 10 ans la sortie de... Enfin, faire patienter pendant 10 ans pour la sortie du prochain... Kingdom Hearts important, et surtout à rééditer encore et encore et encore toujours les mêmes jeux avec quelques légères modifications pour dire que c'est un truc totalement différent. Globalement cependant, si vous n'y avez pas joué, je le conseille parce que ça reste un jeu très dynamique et très défouloir en fait, hein. Vous vous tapez sur les ennemis comme un gros taré et en général ça va marcher. On peut lui reprocher le fait que ça soit un jeu qui tend à être un peu trop facile. En particulier avec les saletés de boss où vous l'évitez, puisque vous n'avez pas vraiment d'action défensive possible, donc vous tapez comme un neuneu et vous gagnerez forcément à la fin. Et beaucoup des boss se résument à taper jusqu'à ce qu'ils soient morts. Certains sont beaucoup plus intéressants. Les deux boss qui nous restent, en fait, les deux super boss, sont par contre parmi les meilleurs boss du jeu selon moi. Hades est un excellent boss. Ansem, quand vous l'affrontez seul avec Sora, est selon moi aussi un bon boss. Et c'est vrai que je suis pas un très grand fan de sa forme finale où c'est à nouveau taper comme un neuneu pendant une demi-heure et vous avez gagné à la fin parce que il est pas très très bon, il a aucun moyen de vous mettre la pression. Cependant, avec ça, parce qu'il ne me laisse pas beaucoup de temps pour parler malheureusement, je vous remercie pour avoir regardé ces vidéos et les avoir supportées jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu ou que vous aurez potentiellement appris un ou deux trucs ou même que ça vous aura incité à essayer le jeu. En admettant, vous trouvez une version qui coûte pas 500€. Et que je vous retrouverai potentiellement pour un futur let's play. Donc pendant que les crédits se terminent de manière inlassable, promis il en reste pas beaucoup. Et après ça vous aurez une super vidéo qui n'a pas été refaite en HD et vous allez pouvoir admirer certains gros pixels. Surtout avec en plus la perte de qualité de la vidéo. Je suppose que je vais pas réussir à attendre l'apparition du logo final. Donc je vais juste vous souhaiter une bonne fin de crédit. Et à la prochaine.
Donc d'ici là, ciao! We've got to find Riku and King Mickey. But, where do we start looking for that there door to the light? Huh? Ah! Pluto? Hey, Pluto! Where have you been? Huh? Hi! Gosh, that's the king's seal! Hey, have you seen King Mickey? Yep. Guys, let's go!